Bonsoir Arthur. Encore le coup du miroir? Ah, c'est pas. Reste tranquille. Mais c'est toi qui as l'air tendu. Impossible. J'ai pris deux Lexobil. C'est pour ça que tu trembles? Impossible. J'ai pris trois bêta bloquants. Alors que me vaut cette visite, mon petit Arthur? Je suis en train de. Je souhaite démarrer une thèse. Le chagrin du koala nord-coréen? Pourquoi les super-héros ne vont jamais aux toilettes? Pourquoi les cyprès seront si? Quoi? Des sujets de thèse. Mais j'ai déjà un sujet de thèse. Ce qui m'inquiète, c'est toutes les démarches à faire. L'idée, c'est de le faire sur le regard que portent les doctorants sur la thèse elle-même. Le problème, c'est que j'ai plus de doctorants. Tu veux quoi? Des physiciens, des biologistes, des archéologues. Bah écoute, j'aimerais bien étendre ça aussi aux sciences humaines et sociales. Donne-moi 24 heures. Mais enfin Albert, c'est pas à toi de... C'est bien ça. Mais maman, c'est une amie de longue date. Elle me fait quasiment rien payer en plus. J'ai juste à garder son chien. Et puis, c'est temporaire. Tu sais, la thèse, c'est de la recherche. Un vrai travail, quoi. Je suis plus un simple étudiant. D'accord. Tu vois, première erreur typique, là. Ne te fâche pas. On est derrière toi, même quand on ne te comprend pas. Continue à faire ce qui te paraît bon pour toi. Peut-être que tu devrais repenser à tes rencontres précédentes pour trouver des bases. Allez, je te laisse. Bonne chance, Arthur, je t'aime. Mais maman, tu as vu mon portrait sur les doctorants? Je l'ai raccroché. La recherche telle qu'on l'a fait, et pas vraiment la recherche telle que je l'imaginais quand j'étais môme et que je voulais être chercheur. C'est un peu un moment difficile où on se retrouve face à soi-même. Et on n'a que nous-mêmes pour nous montrer certaines choses. Ce qui est particulier, c'est que j'ai finalement toujours su que c'était ce que je voulais faire. Comme je disais, pour une rémunération assez faible, même une reconnaissance finalement pas forcément si grande que cela. L'imagination, la créativité, elle fait partie intégrante de la recherche. Je pense pas qu'on puisse faire de la recherche efficacement, sans aucune imagination. Je ne vois pas comment c'est possible. Entrez. Et alors, quelle grande étape pour le meeting, hein? Excusez-moi, quand je suis gêné, je fais toujours de mauvaises imitations. Eh bien, invitez-moi un doctorant. Et rapprochez-vous. Je
Eh bien, je vous écoute. Eh bien, je suis Arthur, j'ai 27 ans, je suis bientôt docteur. Non, arrêtez votre charabia. J'ai bien compris votre prénom et votre sujet de thèse. Et ma question, c'est pourquoi est-ce que je devrais vous faire confiance, sachant que je ne vous connais absolument pas? Eh bien, ce n'est pas qu'une question de diplôme ou de prouver que j'en suis capable. Cette thèse, j'y travaille depuis le début que j'ai commencé mes portraits sur les doctorants. Et j'ai vu dans leurs propos toutes les parties d'une explication se décliner devant moi. Et je pense que ça la mérite d'être analysé et d'être posé sur papier. Et pour que tout cela devienne réel, il faut que je fasse une thèse. Votre façon d'approcher les doctorants, de les faire se confier, c'est là qu'on touche quelque chose. Passez-moi votre dossier. Alors justement, comment va se passer l'encadrement? Il y aura une équipe qui va travailler avec moi, des réunions ou un labo de travail? Pap, Junior, là, tout te sera dévoilé en temps et en heure. Vous savez que vous paraissez très jeune hein, pour une directrice de thèse, quand même. Je suis une surdouée. Quand j'étais ado, ils m'ont fait sauter le collège. Ah, le collège, carrément? C'est une blague, c'est ça? Enfin bon, tu comprends que c'est ce qu'il y a d'intéressant, quoi. Bah écoute, j'ai terminé, moi, la musique, c'est fini pour moi. Mais après j'arrête. Je joue plus du tout, tu sais. Qui d'autre à part moi a travaillé aussi proche de... aussi proche de, finalement des doctorants? Actuellement, parce que là, surtout, je me lance dans une thèse. Là. Ah oui. Une thèse. Oui. Une thèse en quoi? Mais Arthur, c'est quoi cette histoire de thèse, là? Il paraît que tu fais une thèse? Oui, pourquoi pas, je me suis lancé dans une thèse, quoi. Enfin, je vois pas... Une thèse, c'est du taf, c'est 3 ans, 4 ans. Ils t'ont pas montré mes portraits sur les doctorants, Tom? Non. C'est pas là que tu fais ta thèse, il y en a une qui c'est pas Van, c'est ton ex. Ton ex, là, qui te voit t'emmerder et te faire n'importe quoi. Personne ne connaît aussi bien que moi la condition des doctorants actuellement. C'est logique, j'ai fait ma Master 1, Master 2, thèse, pourquoi pas? Je m'inquiète, Arthur, moi, je m'inquiète. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Mais t'inquiète pas. C'est limite. Albert. Et Arthur. C'est Albert, oui. Je suis dans la salle de bain. La porte est blanche, les carreaux semblent bleus, et la lumière est allumée, oui. Oui, ok. Mais tu sais que je te vois, là. Hein? Ouais. Les informations ont été transférées sur ton mail. Oui, bon, allez. C'est très bizarre. Bonjour, permettez-moi de me présenter. Je suis Arthur et je souhaiterais déposer ma candidature pour les contrats doctoraux 2013. Voilà. Vous entendez quoi par valider le mémoire de M2? Doctorat en sociologie. Oui, mon mémoire a été bien édité. De belles attaches parisiennes, papier 80 grammes, couverture plastifiée, contrecollé. Et si on vient d'une autre faculté? Oui, bien sûr, le sujet est sur... le doctorat et ses doctorants et... Et leur regard sur la thèse. Journaliste? Journaliste. J'ai de très bons rapports avec mon directeur de thèse, ma directrice de thèse. Donc tout est dans le dossier à télécharger. Les inscriptions finissent demain. Merci.
27 ans, doctorant. Sujet de thèse, histoire de doctorant. Un regard sur le quotidien des étudiants en thèse en France. Je repars à l'aventure, à moi les nouvelles rencontres, l'analyse et la rédaction.